Nous vous invitons à découvrir l'épreuve de Bhopal en décombre échelon B lors du concours des menhirs. L'exercice de suite sans laisse, au cours de laquelle sont tirés deux coups de feu, ainsi qu'un bruit de perforateur afin de voir si ces bruits perturbent le travail du chien. C'est bon. Dans le prolongement de l'exercice de la suite sans laisse, il y a l'exercice de la traversée d'un groupe de façon à voir le comportement du chien face au public et face à ses congénères. Assis. L'exercice de assis consiste à un blocage du chien pendant la marche tandis que le conducteur continue, s'arrête et retourne au chien. Le chien doit garder sa position tout au long de l'exercice. L'exercice de ramper. C'est bon. C'est bon. L'exercice de coucher avec rappel. C'est bon. L'exercice d'en bas en avant avec une position couchée à l'arrivée. Oui, couché. Oui. L'exercice de rapport d'objets. Pendant l'exécution des 6 exercices d'obéissance par le concurrent précédent, le chien exécute un coucher sous diversion pendant lequel 2 coups de feu sont tirés. C'est bon. Épreuve de dextérité. C'est bon. Exercice de franchissement d'un pont mobile avec un blocage. Exercice de franchissement d'une bascule avec un blocage. Exercice de franchissement d'une échelle horizontale avec un porté de chien. C'est bon. Exercice de saut en longueur.
le fait d'exécuter un saut sur un obstacle réduit engendre une grosse difficulté d'obéissance. C'est bon. Exercice de franchissement d'un tunnel avec un blocage. Exercice de marche sur des matériaux désagréables avec un blocage. C'est bon. Exercice de diriger à distance. Monte ! Le chien doit effectuer un envoi en avant sur un cône, puis monter sur une table à droite, puis à gauche, et enfin sur une table en fond de terrain. En avant. Exercice de porter et remettre. Épreuve de recherche. Elle s'effectue sur un terrain de décombres qui représente un effondrement suite à une catastrophe dans un contexte proche de la réalité. On y trouvera des débris en tout genre. Nous sommes dans un contexte d'intervention, ce qui engendre beaucoup de bruit parasitant. De plus, les secouristes sont en mouvement sur le terrain, ce qui peut aussi perturber le chien. Découverte de la première victime. Le terrain de décombre des menhirs a une surface approximative de 1200 m². Il est sur un seul niveau, mais la difficulté est qu'il est très allongé et dans un courant d'air qui varie en permanence. Il est très difficile de pousser le chien au fond du terrain. Yeah.
attendre trop de mal à voir. Pour que les parents aient. Découverte de la deuxième victime. Découverte de la troisième victime. Peut-on imaginer la pensée d'une victime qui se trouve ensevelie depuis des heures sous un amoncellement de gravats? Temps de recherche total, 6 minutes 20. Ceci est loin d'être un exploit, mais cela reste quand même impressionnant. Nous espérons que la démonstration de cette discipline de sauvetage vous aura plu et vous donnera envie de venir participer à cette formidable aventure avec un chien.